Bonjour à tous. Donc, le carillon qui est dans la tour Henri V, qui avait auparavant trois cloches dans cette tour-là, il y a très peu de traces historiques de ces cloches-là. Ce qui fait qu'avec le château de Chambord et puis quelques collègues, le collègue fondeur aussi, la fonderie Bollet de Strasbourg maintenant, d'Orléans, qui est maintenant à Strasbourg, on est reparti sur un projet neuf finalement, de neuf cloches. Et pourquoi neuf cloches? Parce qu'on reprend la tessiture d'un corps de chasse. Chambord, terre de chasse, donc il y a une fanfare avec une fanfare de corps notamment, et le corps peut sonner ces neuf notes là. Donc on est reparti sur ce projet là de neuf notes qui reprennent la tessiture d'un corps. Donc on a do, mi, sol, do, et puis ré, mi, fa, sol, la, donc neuf cloches. Donc on sonne une mélodie qui s'appelle la Chambord, que la fanfare de Chambord sonne régulièrement. Et pour l'occasion de Noël, quelques mélodies de Noël également. Noël quelques fois par jour pendant la période jusqu'à Noël. C'était pas encore là. Oui, c'est ça, exactement.